Eh bien le bonjour mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour la famille Tonton, j'espère que vous allez bien. Donc la famille Tonton, il s'était passé que le petit Tonton avait eu ses premiers baisers. Donc du coup là, je pense qu'on va profiter du week-end pour justement faire ses premiers rencarts tout simplement. Donc là on va servir le petit déjeuner des œufs brouillés au bacon. Alors comme je l'ai déjà dit, ce let's play va être l'un des plus longs let's play puisque je vais maintenant me concentrer dessus après Chien et Chat. Donc il y a un dernier épisode qui doit arriver. Et ensuite vraiment c'est ce let's play qui va faire partie de la chaîne, on va dire, à 100%. Bon, il y aura les challenges à côté, mais j'avais vraiment envie d'un let's play où on reprenait tout depuis le début comme on a fait. Donc là, il se prépare. Où il va, lui? Il va aller au toilette. Hey, cet tonton, il prenait une douche, mais longtemps. Hein. Il va jouer un petit peu. Il va ranger, il va lire. Il sait plus quoi faire, en fait, tonton. Finalement, tout le monde vient manger dans ma chambre. Ça va puer, après. Oh, il y a une table, ici. Mais, bon, là, tant pis, il y avait une table. Vas-y, fais tes devoirs. Moi, il sait plus quoi faire en fait. Je crois qu'il pète un câble. Bon, on va le faire finir ses devoirs. Et après, il va manger des œufs brouillés. Truc de dingue quoi. Il vient de manger dans ma chambre. Oh, c'est abusé. Allez, Lilith va. Hey, j'ai entendu parler d'une récente amitié avec Luna. Elle est vraiment sympa. Tant que tu le mords pas, ça va. Devoir terminé. Ouais, ça c'est bien, tonton. Maintenant, tu vas déjeuner. Qu'est-ce qu'il a? Devoir terminé, oui. Et c'est tout. Il est tendu. Ouais, mais... Il sait pas quoi faire, en fait, mon tonton. Bon, il regarde de vous, maintenant. Ça, tu peux peut-être ranger le linge, parce que là, dehors, c'est pas très sain. Ensuite, tu vas faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Avec tes pantoufles bunny, quoi. J'y crois pas, le gars. Ah, bah, y a... Il a réussi sa blague, là. Ouais. Ouais, il a bien réussi sa blague. Ah, elle va être dégoûtée, Liberty Lee. Même très dégoûtée, je pense. Bah, ils vont les bécoter. Dans l'idée, parents. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bécotage dans le lit des parents, ouais. Ça promet, ça. Y a pas honte, en plus, hein, regardez, ses parents, ils sont là, hein. Ah non, ils sont pas les bonbons. Ça, c'est la mouise. Donc, elle s'est fait... elle avait pas son travail, elle, écrire un livre. Si, on va reprendre... Oui, mais ça buguait, écrire un livre... Livre des joueurs, c'était ça. Ouais, mais je l'avais déjà écrit dans ce cas. C'est pas normal. Vous êtes toujours en vie, vous? Je sais pas s'ils sont toujours en vie ou pas. Excellent. Non, si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec elle. Non, il passe du temps avec quelqu'un d'autre. Par contre, j'ai toujours pas mangé mes œufs brouillés, je crois. Après, il va manger un morceau de toute façon. Bon, il est galipette agréable. Rien de tel que de se bécoter avec son ou sa petite amie. À un tel niveau 4 de la compétence écriture. Ça, c'est bien. Elle va évoluer. Bah, voilà son livre. Son livre, il est là normalement. Donc, attendez, est-ce que je peux le auto-publier?
On va s'auto-publier, c'est peut-être ça en fait, il faut s'auto-publier en fait pour peut-être réussir. Écrire un livre. Non, bah non. Non, non, tout simplement pas. Du coup, elle va un peu parler avec son mari. Elle va se plaindre de la taille du téléviseur. Tu l'as mis en route au moins? Ah non, il a oublié de. Il a oublié de le mettre. Oh, d'accord, ah bah, on n'est pas dans la mouise. Active, voilà. Par contre, voilà, c'est bon, tu peux arrêter ton bécotage, toi. Le travail de rond commence dans. Bah oui, non, il travaille, bah oui. En plus, il travaille, le bougre. Hé, j'ai envie d'un thé Sakura. Et si on allait prendre un ensemble au Festival de l'Amour? Ah bon, il y a le Festival de l'Amour. Par contre, il veut plus s'arrêter, hein. Je crois qu'il est buggé, mon Sims. C'était quoi ce bruit? Ah, c'était la fin de. Enlacé. Bah, tu t'enlaceras pas ton fils. Vider la cible accrochée à la corde à linge. Voilà. Ah, ils ont eu une petite embrouille. Donc, c'était sympa. Elle est partie. Lui, il mange de la nourriture périmée. Mon patron m'appelle. Dois-je répondre? Bah, j'ai pas le choix. Si, on a toujours le choix. Tiens, j'ai coupé le téléphone. Sorry. Va aux toilettes! Mais non! Pas aux toilettes! Bon, bah, vas-y. Va te faire pipi au magasin. C'est pas trop grave. Alors, lui, il s'est pas lavé. Il est toujours en mode pyjama bunny. Ici. On va émettre une théorie sur les extraterrestres. Ça y va fort. Vous allez prendre un bain. Oh, la cafetière, elle est. Il va la vider et la nettoyer. Ah ouais, elle devient. Elle est devenue très 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 crade. Bon, on va la bidouiller. On va servir. Bon, on va servir le dîner. Ouais, il y a encore tôt. On va faire des clépas frites, je ne sais pas quoi. J'espère qu'il travaillait pas. J'ai oublié quand il travaille. Weekend, weekend. C'est qui lui? Kengo Nakamura. What? Il y a personne. Donc il s'est fait pipi dessus ou pas? Ouais, bah, il était aux toilettes. Quelle journée de travail. Auron est rentré chez lui et a gagné 100 simcoses. Bon, il est fatigué. Hein. Il va aller... Mais qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai, elle est là, elle. Leur relation a dû bien chuter. Même pas. Même pas, les amis. Donc c'était un samedi, ma foi, très bécotage. La mère est au lit. Faites gaffe, hein, ils se sont bécotés dedans. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Il mange devant sa porte, tranquille. Nettoie, jeune pomme! Et range ça avant que ça devienne périmé. Allez. Voilà, maintenant tu peux dormir. Tout le monde dort, elle allait rester s'incruster. Ah bah, il est temps! Une heure plus tard. Elle a déjà tout cassé, quoi. Elle a tout capoté. Contactez le service. Ok, bah comme ça il arrivera. Est-ce que ça, le linge il est toujours dedans? D'accord. On va fouiller un petit peu les poches. 27 simflouzes, ça se prend. Voilà! C'est pas si compliqué. Il répare en 2 secondes, n'empêche. Hein. Et bah, en fait, elle n'a plus rien à faire. Elle à part peut-être discuter sur Internet. Je vois pas ce qu'elle va faire. Secret de vampire. Chercher des informations sur les vampires. Est-ce qu'on peut pas avec le pack jungle est-ce qu'on est obligé d'aller sur le terrain pour apprendre ou pas? Parce que ça aurait été bien comme les vampires en fait. Apprendre des choses ici. Ouvrir le carnet.
Qu'est-ce que c'est? Ouvrir le carnet. Il n'y a aucune entrée dans le carnet. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans le carnet? Répondre aux emails, lire les nécrologies, rechercher, surfer, amusant, parcourir, rechercher, méthode d'éducation, technique de drague, d'accord. Et sinon, bah, elle va répondre aux emails. Ce sera déjà ça. Par contre, écrire un livre, moi je veux bien. Hein. Moi je veux bien, mais attendez, pourquoi elle veut pas? Bah enfant. Voilà, on va la laisser écrire ça. Une chaussure bleue, si elle veut. J'espère que ça va fonctionner. Alors, tonton, t'es où toi? Tonton, il se réveille. Ouais, il est bien, tonton. Il va utiliser, prendre sa douche. Alors aujourd'hui c'est dimanche et comme bah, on va aller profiter tout ce jour pour se balader, tout simplement. Tout simplement, les amis. Par contre, tu voulais pas les. Bah si, je les confonds. Mais je me suis trompé de Sims! Vas-y, prends ton. Je me suis trompé, je les confonds les deux. Voilà. Ouais, je pense qu'on va faire ça, c'est-à-dire on va faire un premier encart. Donc je vais téléphoner, pardon, et tatata, oui, il y a un truc avec encore Jasmine Holiday. Proposer un encart. Voilà. Voilà. Et on va aller, les amis, à. Attendez, c'est où? Magnolia Promenade. En fait, c'est là qu'il y a les petits centres commerciaux. Donc, attendez, lui, c'est lequel? Je peux pas voir? Ce terrain n'est pas disponible. Ah, on peut pas y aller juste pour se promener? C'est nul! Pourquoi je peux pas aller me promener? On peut pas y aller en premier encart. Je crois qu'on peut pas y aller avec un encart. C'est ça. Bah écoute, c'est pas grave, on va faire le premier encart là et j'irai plus tard acheter quelque chose. Où va-t-on aller, les amis? On a le choix soit au parc, mais moi je pense qu'on va plus partir en discothèque. Yeah. De ce que je me souviens, c'est à Winterburn. Donc c'est la discothèque. Eh, vous foutez de moi, on peut même plus aller en rancard ou quoi dans les discothèques, boîte de nuit. Bah oui, si, on peut y aller. Alors, nous sommes arrivés et bah oui, on va embrasser direct le rancard, les amis. D'ailleurs, j'ai vu un truc qui peut être intéressant ici, demander d'être sa petite amie. Voilà. Il est tout content. Petite photo en même temps. C'est vrai de vrai. Ah ouais, mais c'est vrai, ça vient d'arriver. On va s'asseoir et parler. Écoutez, on va aller. Je crois qu'il y a des pièces ici. Voilà, on va aller là. S'asseoir ensemble. Voilà, on va plutôt faire ça. Comme ça, ils vont discuter un petit peu. Attends, je mets pause. Je les ai perdus sur le coup. Donc amical. Conversation. Tentez de séduire votre rencard. Comment flirter pour débloquer les bonnes interactions? Ah bah bon. Ah, le loulou est tout content. Le loulou est vraiment tout content. Échanger des anneaux. Ah ouais, on peut faire ça maintenant. Ah, il s'éclate. Dans une relation amoureuse, d'accord. Ah, je l'avais flirté. Je crois. Ah, essayer de séduire, ça passe.
Et la disco, là, elle commence quand en fait? Ils vont aller danser ensemble. Et là, c'est Loulou qui vous dit bonjour. Ah, je crois que ça y est. Ah, il va aux toilettes. Ah, bah, le Loulou est sur le dos. Donc là, on va aller danser ensemble, les amis. Si elle veut, s'ils veulent bien revenir sur la piste. Voilà, là, là. En plus, Tonton avait besoin de. Avait besoin de. Comment dire, de fun. Ah, Loulou. Ça y est, tout le monde est arrivé. Par contre, tu peux mettre quelque chose de plus dynamique. Ouais, je sais pas, je crois qu'il y aura, rien de dynamique en fait là-dessus. On va être dans la mouise. Le loup essaye de grimper dans mon bureau, sur mon bureau. Il pousse mon clavier en même temps. C'est la mouise. Faites en sorte que les Sims deviennent joueurs en même temps. Bah, ça, je sais comment faire. Donc joueur, je ne sais pas vraiment en fait, mais... Ah, on a réussi l'objectif principal. C'est déjà ça. Et là, il pousse mon clavier, il veut sa balle en fait, parce que sa balle est cachée... Oula, ils vont dans le placard. Est cachée, c'est violent. Hein. Mais ils sont en train de tout casser. Et il n'y aura plus d'armoire. Et en fait, le loup, il renifle sa balle en fait, qui est cachée derrière l'imprimante. Bah là, ils vont tout casser. Tout sera capoute, les amis. Oh, on a tout réussi. On a tout réussi, les amis. Wow. Ah, il en revient pas, là. Ça y est. Bécotage dans l'armoire. Avoir une conversation profonde avec le rancard. Par contre, Loulou... non, Loulou. Ah oui, ça y est, ils sont devenus très très joueurs en fait. Hein, donc, ça c'est nickel. Conversation profonde. C'est parti. Il faut en avoir deux, les amis. On va y arriver, on va y arriver. Qu'est-ce qu'il est parti faire tout seul dans l'armoire, lui? Il est parti se bécoter tout seul. Voilà, bon, on a réussi. De toute façon, là, ça va être de l'or de chez l'or. Voilà, re-rancard terminé. Médaille d'or gagnée, les amis. Quel rancard de légende! Quelque chose de spécial vous attend dans l'inventaire du foyer de votre Sims pour ne jamais oublier ce moment. Bah, déjà, là, on va... Ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont prendre une photo ensemble, en fait. Prendre une photo... Prendre acheter une clinique. Non, on n'a pas les... on n'a pas les sous. Pas les sous, c'est tout. On va prendre une photo... Bimbus. Voilà. Alors, où ils vont aller prendre cette photo? Alors, ils vont la prendre où? Bah oui, mais vous la prenez où, la photo, là, les gens? Vous partez où? Bah putain, ils partent loin. J'ai demandé à prendre une photo, et eux, ils sont partis. Il va faire ses devoirs, maintenant. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a eu? Ah, ça y est, elle arrive. Et ils ne prennent plus de photos. Bienvenue dans les Sims. Ah bah, je peux plus prendre de photos. Elle a disparu! Oh my god! Bon bah, on va rentrer. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce loustique? Faites du travail. C'est du travail supplémentaire que de parler avec son livre. Il a choisi le lieu, lui, vers la discothèque. On n'a pas trop dansé, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est bon, tu peux rentrer là, tonton. Tonton, tu peux rentrer. Oui, tu peux rentrer. Voilà le retour du héros, les amis. Donc, je pense que là... Il a passé une excellente journée, je pense. En tout cas, ils sont bien à fond. Se sont promis de rester ensemble pour la vie, mais on va voir si ça tient jusque-là. Issu d'une amitié, une forte amitié est devenue un amour qui dure. D'accord. Ouais, bon, on va voir ça. Mais qui je suis? Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard et tous mes amis. Ouais.
L'empathie augmente. Ouais, mais c'est vrai. Je ne sais pas ce qu'il va faire vraiment plus tard, ce Sims-là, en fait, hein. Je l'ai mis dans l'écriture, mais il va changer. J'ai plusieurs idées, comme j'ai dit, et je pense que il va changer. Voilà. Il va pas rester dans l'écriture. Je le pense. En tout cas, les amis, c'est ici que nous allons nous quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On est dans la continuité de l'autre, hein, justement, avec le premier amour, enfin, premier baiser. Maintenant, c'était le premier encart. Ouais, et puis là, on va reprendre un peu certains points sur sa vie à tonton, parce qu'il faut qu'il augmente ses compétences. Là, ils sont tous à 1, voire 2, mais c'est pas assez. Je trouve que c'est pas assez. Donc, du coup, voilà, on va essayer d'augmenter tout ça. Par contre, là, votre linge, il doit être propre. Il doit être très propre, même. Voilà. Voilà, sur ce, portez-vous bien, les gens, et à la prochaine. Bye bye!